D'abord, il y a un phénomène national, hein, où on s'est rendu compte que l'écologie avait été très portée électoralement. Hein. Il y a des grandes villes quand même comme Lyon, Strasbourg, voilà, Bordeaux, qui sont quand même assez emblématiques de ce choix des électeurs pour l'écologie. Mais en plus, j'ai envie de dire, c'est un phénomène européen aussi, quand vous voyez Amsterdam, Milan. Pas forcément un sujet de campagne, mais là, ça devient depuis quelques jours. Nicolas Hulot avait insisté sur le fait qu'il a vu quelques bâtons dans les roues en n'ayant pas, dans sa sphère gouvernementale, l'agriculture et l'alimentation. Et j'ai noté que dans les attributions de Mme Pompili, il n'y a pas l'agriculture et l'alimentation. Moi, je trouve ça tout à fait regrettable. Je crois qu'un ministère de l'écologie, il doit vraiment avoir une compétence la plus large possible.